le prince Charles solo pour son voyage au Japon. Le prince de Galles se rendra dès ce mardi 22 octobre au Japon pendant 2 jours pour des raisons officielles. À ses côtés, toutefois, ne se trouvera pas Camilla Parker Bowles. En effet, son épouse a fait le choix de rester au Royaume-Uni. Si elle a tout d'abord une peur bleue de l'avion, qu'elle prend toutefois lorsque les obligations royales l'imposent, la duchesse de Cornwall a elle aussi des engagements officiels à respecter ces prochains jours. Le magazine Hello rapporte que mardi 22 octobre, Camilla Parker Bowles ouvrira le Royal National Hospital for Rheumatic Diseases and Broken Vertebrae Therapy Centre au Royal United Hospital de Bath, en Angleterre. Ensuite, elle participera à une réception organisée pour les 20 ans de l'organisme de charité Forever Friends à Peel. Enfin, jeudi 24 octobre, la duchesse sera à une réception donnée à Londres, pour célébrer les 7 ans du programme et initiative Books Unlocked, organisée par le National Literacy Trust, qui cherche à fournir une liste de livres sélectionnés pour que des prisonniers puissent lire, échanger et garder des bouquins et organise des rencontres entre les auteurs et les détenus.